Yo tout le monde, c'est Kilira, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez eu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour du Arc Mobile. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne assidûment, vous savez qu'il y a un bout de temps de ça, j'avais sorti une vidéo sur la sortie de Arc Mobile pour le coup. On avait testé ça ensemble, j'avais dit que c'était une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un ordinateur ou bien même une console. Malgré le fait que je trouvais quand même qu'il y avait des bugs, voilà, il y avait quelques petits soucis. Maintenant je reviens dessus avec une nouvelle mise à jour qui est apparue très très récemment. Le jeu est désormais disponible en français, donc pour tous ceux qui ne sont pas bilingues et qui essayent de se débrouiller un petit peu, bah, comme ils pouvaient, bah, finalement, le jeu est désormais disponible en français, mon petit Michel, et ça, c'est pas dégueulasse. Je vais vous lire les nouvelles mises à jour, puisque j'ai pas pu tout retenir, pour le coup, mais dans la nouvelle mise à jour qui est sortie, on a un mode photo qui a été ajouté avec des filtres. Voilà, ça, c'est vraiment un mode à côté. Elle propose également une traduction française du jeu, des nouvelles variantes du mode PVX et PVX Clock, qui ajoutent une zone PVP supplémentaire. Fait également son apparition de nouvelles notifications accompagnant les nouvelles Alarm Tower et Warning Bell. Je fais ça parce qu'en fait mon écran s'éteindrait tous les temps de temps. Et informe les joueurs lorsque leur base est attaquée. Enfin le dodo et le spinosaure se dotent de nouvelles fonctionnalités. Le dodo peut désormais devenir beaucoup plus gros au point d'en devenir une monture. Mais aussi débloquer des compétences. Donc ça y est, on va enfin pouvoir faire ça. Alors le coup du dodo qui devient une monture, mon petit Michel, j'ai envie de te dire, ça j'ai envie de tester. Parce que ça c'est quand même un truc, vous savez que je joue à Arc, voilà, j'ai des centaines et des centaines et des centaines d'heures. Je suis presque à mon millier d'heures, je crois même, je sais plus. Mais pour le coup, on va tester ça ensemble. Voilà, donc moi je joue sur PC principalement, donc voilà, j'ai fait le tour de Arc de mon côté. Donc là, on va tester, voir ce que ça donne depuis, bah voilà, la dernière fois qu'on y a joué, s'il y a vraiment des améliorations qui ont été apportées ou si franchement c'était c'est pas ouf. Donc on va tester ça ensemble. Alors je n'ai plus le même téléphone portable qu'avant. La première fois, autofocus s'il te plaît. Il se passe quelque chose, il y a un fantôme, voilà, c'est bon. La dernière fois que j'avais joué, en fait, j'avais un Samsung Galaxy S7 Edge, et là, j'ai changé de téléphone, puisque le mien est mort, il était mort, et bah, ça faisait 4 ans que je l'avais aussi, il était mort, et bah là, du coup, j'ai un Galaxy Note 8, qui est tout récent, je l'ai eu au mois de décembre, donc on va tester ça ensemble, on va voir graphiquement ce que ça donne, il y a une image qui va apparaître à partir de maintenant, ça y est, vous avez le retour image, donc c'est clair, on n'est pas sur... On n'est pas sur du PC, on n'est pas sur du PC, il n'y a pas une qualité monstrueuse, mais on va tester ça ensemble, on va voir ce que ça va donner. Donc, options, on va déjà aller dans les options, on va voir ce que ça nous propose. Cacher automatiquement la carte, désactiver le chat global, alors ça je le désactive puisque j'en vois pas. Pour moi, j'ai pas l'intérêt là. Désactiver le retour tactile, désactiver l'effet de tremblement. Je vais désactiver l'effet de tremblement volontairement puisque je ne supporte pas, je vais appliquer, oh, ok, quand t'appliques. Parce que je ne supporte pas les effets de tremblement, enfin surtout sur téléphone ça va être encore plus vomitif je pense. Disposition barre de raccourci, on va pas toucher à ça. La sensibilité tactile, on pourra la modifier si besoin. Je voulais même ouais, la modifier une petite chouille parce que j'ai un écran en vert trempé, donc il faut que je le modifie. Qualité des graphismes, ah, épique. On va essayer, ça se trouve je vais laguer de ouf. Hein. Vous êtes prêts? On appuie. Oh, ça va. Ça va. Comment ça a changé d'un seul coup graphiquement, mon pote? Bon, bah, ça a l'air d'être propre. On va voir. Ça a l'air d'être très propre pour le moment. On peut modifier aussi les effets sonores, la musique, tout ça. Faites voir en bas ce que ça donne, ceux qui jouent en bas. Ouais, c'est vraiment... Enfin, ouais, limite, c'est ce que j'avais tout à l'heure, quoi. Et pourtant... Et épique. Ah ouais, ça n'a rien à voir, quand même. Hein. Mais c'est hyper joli, quand même. Là, on est que sur un menu pour le moment. On va faire jouer à Arc, on va tester ça ensemble. Ok, donc là, on a notre personnage. On va pouvoir choisir, du coup, j'imagine, le sexe, voilà. Bon, bah, on n'est pas... Oui, bah, ça, bon, bah, ça a pas trop bougé, hein, j'ai envie de vous dire, pour le coup. Ouais, on va pas trop modifier, on va pas s'aventurer dans des trucs de ouf. On va lui mettre des yeux bleus, couleur des cheveux. Je vais lui mettre des cheveux noirs et la longueur des cheveux. On va lui mettre comme ça, ça sera très bien. On va regarder au niveau de la zone de spawn. Et graphiquement, est-ce qu'on lag? Est-ce qu'on lag sur le mobile ou pas? Sachant que je pouvais pas le faire tourner, je crois, en épique la dernière fois. Hein, ça laguait trop. Hein. Oh là. Alors. Oh les doudous. Ok. Donc il faut que... Ah oui, c'est vrai. Alors attendez, il faut que j'arrive à me souvenir du bordel. Ah voilà. Balayez l'écran pour regarder autour de vous. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Ok, c'est bon, je commence à me souvenir. Ok. Balayer l'écran vers l'eau pour sauter. Ouais. Ok, c'est bon, ça commence à me revenir. Ok. Bon, bah là, on est en épique. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ça tourne bien pour le coup. Pour le moment, on n'a pas trop de problèmes. C'est assez propre.
Ça tourne pas mal. Ah mais ça... Oh la vache. Bon aussi j'ai changé de téléphone, hein, donc forcément... Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y jouez et justement si vous y jouez les... en quoi vous le faites tourner quoi. En épique, en low, en fonction de votre téléphone avec... dites-moi aussi dans les commentaires le téléphone que vous avez, comme ça ça permet aux gens de savoir à peu près. Ok, donc on va voir ce qu'on peut avoir potentiellement. On a notre sac. Truc hyper basique, ok j'ai vu sauvegarde. Les petits paramètres genre juste ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a les commandes juste là, disposition de la barre de raccourci, donc tout ça j'avais vu. Ok. Le contrôle, bon, tous les trucs classiques. Mais alors attendez, je vois des trucs genre les colliers de créatures peuvent être mis sur vos créatures domptées pour booster leurs stats, tout en étant tape à l'œil. Ourson, donnez à vos créatures domptées quelque chose à aimer et marquer à une vitesse éclair. Avec ces jolis petits jouets, diminuez également la faim. On a des phéromones, des une ancienne ressource utilisée, acheter des objets rares et de qualité. Mais non. Non mais graphiquement par contre ça va, moi j'aime bien. Pour un jeu mobile, je trouve qu'il est pas mal. J'essaie de vous décaler un peu ça pour pas qu'il y ait trop de bruit pour vous. Si je reste appuyé, ça change quelque chose. Non. Fabriquer une pioche en pierre. Vous récoltez suffisamment de matériaux, choisissez la pioche en pierre dans l'onglet fabrication de votre inventaire. Fabriquez-la. Hop, inventaire. Onglet. Ah, on a encore une sauvegarde. Bon, bah c'est propre au moins. Là, on peut la fabriquer. Écoutez. Ça m'a l'air propre pour le moment. Ok. Donc là, elle est fabriquée. Normalement, elle va apparaître dans mon inventaire qui est juste ici. Dans ce cas-là, je vais la prendre, je vais la déplacer. Alors, comment ça se passe? Voilà. Hop. Le dodo, j'ai envie de lui en coller une. Et lui donner à bouffer pour voir ce que ça pourrait donner. C'est horrible ce que je dis, hein, mais j'ai envie d'essayer. Alors attendez, on va regarder. J'ai envie de voir cette histoire de monture dodo, là, ça me perturbe. Mais alors après, ça peut être avec des points d'engramme, donc... Ah, il y a un petit nombre de niveaux, vraiment... Ok. Alors... Ah, le gourdin. Voilà. Et bah c'est très bien, j'ai un gourdin du coup. Je le fabrique. Ça va me servir, vous allez voir, ça va me servir. Inventaire. Alors par contre, je ne sais plus ce que ça bouffe, hein, dodo. Vous me croyez ou pas? Ok. On va lui foutre des baies. C'est moi, il bouffe à une vitesse folle par contre. J'aimerais voir où est-ce qu'on voit son système de timing. Ah, mais ça va très vite, regardez! Ah, mais ça va hyper vite pour le coup! Le timing de dodo est incroyable! Bon, bah écoutez, bon, l'inconscient descend aussi très vite. Hein. Ça sera mon copain dodo. Hein. Ça sera mon copain dodo. Hein. Bon, il va bientôt le. Ouais, ça va hyper vite, ça va. Bon, l'inconscient descend, ouais. Ah d'accord, oh bah ok, appuyez pour choisir rapidement. Oh merde. Ah la saloperie. Je tente de faire un truc. Oh il est chaud mon dodo. Je vais peut-être essayer de l'endormir. Oh, il est tombé en inconscient. Le problème, c'est que j'ai rien. Vous savez ce que je vais faire? Oh, il est en train de le bouffer. Bah, c'est bien, vas-y, bouffe-le au pire. Ce que j'allais dire, j'ai pas de viande, donc au pire des cas, je vais aller le bouffer. Voilà, comme ça.
Voilà, ça permet d'avoir un petit peu de cuir, un peu de trucs comme ça. Ah, j'aimerais que le dodo puisse grandir, mais je sais pas, j'ai aucune idée de comment faire ça, quoi. Par contre, il va lui falloir des baies à mon pote là, on va voir. Bon, on l'appellera Rocky, parce que le premier dodo de l'aventure s'appelait Rocky. Le tout premier, quand on a commencé Arc, s'appelait Rocky. Donc, je verrais pas pourquoi lui ne s'appellerait pas Rocky. Le gourdin, on va lui foutre un coup de gourdin dans la tronche. Il est là-bas. J'espère que mes deux petits steaks suffiront. Ah, c'est un niveau 10. Ça va passer. Tiens! C'est bon. J'ai aucune idée, hein. Ça se trouve, mes deux steaks, ça marchera pas. Hein. Très bien que ça lui donne 50% instant. On va voir. Mais bon, j'ai des doutes. Bon, bah, le système, ça va, le système de timing et tout, c'est assez facile, franchement. Là, je suis agréablement. Merde! Et merde. Bon, ça suffira normalement pour le coup. Ouais, c'est bon, avec la viande là que je chope, c'est parfait. Il est où? Dis-le où j'ai endormi. Ah, il est là. Hop. On va lui donner à bouffer ça. Ah, mais il s'est réveillé déjà? Ah, d'accord. Bon, et ben moi, ce que je vais faire déjà, dans ce cas-là, c'est que je vais ramasser des baies, des bordels, parce que là, je suis pas bien, si je puis me permettre. Heureusement que c'est pas comme Atlas où tu fais des carences, parce que là, on n'aurait pas terminé, je vous le dis tout de suite. Bon alors par contre les deux là. Rocky, écoute-moi. Maintenant c'est bon, je te ressiffle en neutre, ok? Si ça va pas, ça part direct mon petit Rocky. Ok les potes? Ok. Normalement si je le tape. Voilà. Attention! Ça part! Regardez ça, regardez le combat entre Rocky! Ah oui, ils vont se faire bouffer. Et déjà en sang, non, pas du tout. Oh, j'ai eu peur, je croyais que c'était le mien. Oh, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, merde. Il a pas fait long feu. Si, c'est bon, ça va. Oh, la peur. Ah, j'étais pas bien, j'avoue, j'ai eu peur. Je me suis pas senti bien. On va aller dans le système d'engrammes. Les engrammes, ça doit être... Je sais plus par où c'est par là. On va crafter une hache, truc basique, voilà. Un sac de couchage aussi maintenant. On peut se permettre de crafter un petit peu. Bon, ça va, là aussi, pardon, je suis en mode bac à sable, quoi. Donc bon, c'est pas ce qu'il va y avoir de plus compliqué. Hop. Voilà. Donc, ça, on va pouvoir le placer ici. Est-ce que je peux craft pour le coup? Qu'est-ce qui me manque ici? Il va me manquer juste de la pierre, donc ça va. Alors, je vais juste, hop, récupérer, équiper. Et ensuite, on va rééquiper le pantalon. Je me sens plus là, ça y est, on a 40 minutes de record et je suis à fond. Je suis à fond, je ne m'arrête plus. On ne m'arrête plus. Ok, là il va me falloir de la viande, donc c'est pour ça. Que ça va être important. On va tout de suite recrafter. Comme ça, je serai plus embêtée avec la bouffe. Ok. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir recrafter un feu de camp de nouveau, normalement. J'aurai ce qu'il me faut. Ça va pas être un souci. Par contre, j'oublie tout le temps. Hop, voilà.
Ça va être là, fabriquer. On va même pouvoir crafter un petit sac de couchage. Allez, on se permet. On se permet de se faire ça. Hop, on va placer un feu de camp, tout simplement. On va le placer ici, au bord de la flotte. Je pense que c'est bien. Et à l'intérieur, on va mettre... j'ai plus de bois. Normalement, ça passe. Enfin, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est bon. Hop. On allume. Ouais, ça cuit assez vite quand même. Donc ça va. Ensuite, on va placer aussi le petit sac de couchage qu'on a crafté juste avant. Comme ça, on va être tranquille là aussi. On va le placer juste à côté. Au moins, on est pas mal. Voilà. Comme ça, en cas de problème, je pourrais respawn juste ici. On va pouvoir regarder à l'intérieur. Ouais, je peux déjà la manger. Super. Oui, il est comment? Oh là! Ah, par contre, quand tu passes au-dessus, tu voles. Hein. Ah oui! Quand tu passes au-dessus, du coup, tu voles. Ok, bah, c'est bon à savoir. Eh ben, vous savez quoi? On a 50 minutes de record, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis prise dans le jeu. Je me suis vraiment prise dans le jeu, quoi. Et pour le coup, autant la première fois, quand j'avais fait le record, je me souviens, par la suite, je suis pas forcément revenue dessus parce qu'il me tentait pas plus que ça, ça laguait. Là, effectivement, on n'est pas sur une qualité graphique non plus monstrueuse, bien vu sur l'ordinateur ou sur les... Voilà. Mais franchement, pour un jeu mobile, il est... Non, mince. Il est vraiment... Ah oui, non, mais je suis bête. Bah oui. Il est vraiment super. Pour un jeu mobile, il est vraiment super. Je suis prise depuis tout à l'heure, là, je m'en rends compte. Je suis vraiment prise dedans et tout. Il y a plein de séquences. Bah, pour vous, là, on a 51 minutes. Pour vous, c'est tout condensé, en fait. Je garde, voilà, les moments les plus... voilà, les plus intéressants. Mais je suis vraiment concentrée dans le jeu. Depuis tout à l'heure, je vois pas spécialement le temps passer, quoi. Donc c'est hyper agréable, franchement je kiffe, très très agréable et gros coup de cœur pour le coup. Je pense même, je pensais pas dire ça un jour, que c'est typiquement le genre de jeu où je vais y jouer peut-être avant d'aller dormir au lit et tout. Je pense vraiment, c'est pas pour faire la lèche-cul auprès de Wildcard ou quoi que ce soit, parce que quand quelque chose me plaît pas je le dis. La première fois je l'ai dit, hein, j'étais pas très emballée par le jeu. Et là, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mise en place du truc. Enfin, j'aime bien, ça me plaît. Donc, franchement, coup de cœur, bravo, GG. Il y a vraiment des améliorations. On voit qu'il y a des nouveautés qui ont été apportées, tout simplement, au jeu. Et ça fait plaisir. Ils n'ont pas sorti le jeu en mode, regardez, maintenant, on n'améliore plus notre jeu. Allez, démerdez-vous, bonne journée. Non, il y a vraiment des améliorations. Je crois que c'est par là que j'avais fait mon truc. Il y a vraiment des améliorations qui ont été apportées. Et ça se sent. Ça se sent, ça se voit... Et finalement, je trouve que le jeu est agréable. C'est mon pote, ça? Oui. Vous êtes affamé. Ok, il me reste un steak, je vais le manger. Hop. Voilà. Je le trouve hyper agréable. Coup de cœur. Alors, je vais faire ma petite baraque en chaume. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Ok, maintenant on va encore en recrafter, il me manquait une fonda. Gros coup de cœur franchement sur le jeu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'y jouer. Le jeu est gratuit, je tiens à préciser, hein, vous n'avez pas besoin de payer pour l'avoir. Et dites-moi du coup, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Quel téléphone vous avez en l'occurrence, ça j'aimerais bien savoir aussi, savoir comment il tourne. Vous aviez été tellement nombreux sur l'ancienne vidéo justement, Arc, à me dire « Kiki, moi j'ai tel téléphone, ça rame, moi j'ai tel téléphone, ça rame pas du tout. » Et ça faisait grave plaisir parce que vous étiez grave investi dedans. Et ça vous avait vachement plu. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah là, avec la nouvelle mise à jour, et du coup, la clé qu'on m'a filée, je me suis dit, c'est le moment de réitérer l'expérience. Ça fait un petit bout de temps que t'es parvenu dessus, donc autant tester, voir ce que ça va donner. Et franchement, très agréablement surprise. Franchement, agréablement surprise par le jeu. Vraiment au top. On va essayer de mettre la porte par là, si j'y arrive. Ouais, allez, on va la foutre. Je voulais la mettre au milieu. Bah non, je suis con, je peux pas la mettre au milieu, réfléchis un petit peu. Moi, j'ai fait tout le bordel manchôme. Voilà, j'avoue, j'ai faibli. J'ai fait un petit peu ma feignasse, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Hop. Ensuite. Tac. Eh,
Si ça c'est pas propre, Michel. Bah moi je sais pas si ça c'est pas propre. Hein. Alors. Ah, la porte. Ah bah oui, la porte que j'ai fait en deux exemplaires au cas où. Non mais n'importe quoi. Ok, j'ai fait en chaume, j'ai pas fait en bois. Mais bon, on va dire que c'est l'habitation basique pour le coup. Vraiment l'habitation hyper basique quoi. Mais bon, ça me va. Là, il m'aurait manqué juste de la fibre. Bon, bah c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Je vais rien détruire. Je veux rien détruire. Comment ils vont les potes? Par contre, je suis dégoûtée. J'aurais voulu savoir comment les monter pour le coup. Et je sais pas. Je sais pas du tout comment les monter. Donc, pire, c'est pas grave. On verra ça pour le prochain épisode. Hein. Ah, attendez, il y a un petit logo avec une patte. Ok, il a level up, mais je veux lui monter pour le coup ses dégâts. Alors, est-ce que après, je pense qu'il faut l'équiper d'une selle. Mais là, pour le coup, je vois, ok, boîte de narcotiques, seringue. Est-ce qu'il y a des... Ah! Eh ben non! Celle de Fiomia, celle de Parazor et celle de Carbonemis. Mais le coup du dodo qui grossit, je vois rien en rapport. Donc, j'aurais aimé savoir comment le monter, en fait, le dodo, tout simplement. Comment est-ce qu'on monte le dodo? Ça, c'est quand même le truc. Extra d'explorateur, commande. Oh là là! Allons voir les statuettes. Ah ouais, c'est 30, quoi. Les statuettes. Ah ouais, ça rigole pas, t'as de la statuette et tout. Hein. Ok, donc ça, c'était un cash shop. Bon, ce qui est pas étonnant, hein, pour un jeu mobile, faut bien qu'ils fassent quelque chose pour vivre de leur jeu, quand même. Donc, le cash shop, ça m'étonne pas. Moi, perso, le cash shop, je m'en fiche. À partir du moment où ils nous font pas un truc genre c'est obligatoire. Tu veux jouer à Ark Mobile, et ben t'es obligé d'utiliser dans le cash shop. Et ben non, là non, c'est pas obligatoire. Donc moi ça me dérange pas qu'il y ait un cash shop personnellement à partir du moment où c'est pas... Voilà, c'est pas abusé de ouf quoi. Je regarde juste changer de vue, sifflement de créature. Transporte. Et c'est quoi transporter? D'accord. Comment je le pose? Ok, je pense savoir. Donc voilà, on s'arrête là pour Ark Mobile, j'espère que la vidéo vous aura plu, je fais le petit topo personnellement pour vous dire ce que j'en pense, et puis après on va se laisser là. Personnellement, eh ben ça a bien évolué, ça a bien changé comparé aux premières vidéos que j'ai fait, la toute première vidéo que j'ai faite, bah, c'était au lancement de toute façon, donc il y avait encore pas mal de correctifs à faire, on avait beaucoup de bugs. Il y avait des latences aussi, en fonction des téléphones, c'était jamais les mêmes problèmes. Il y avait des gens qui avaient des téléphones beaucoup plus puissants que les miens, de très bons téléphones, et pourtant, ils faisaient tourner le jeu en low parce qu'il y avait des gros problèmes d'optimisation. Là, franchement, bon, moi, je le fais tourner en Epic sur un Note 8. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous faites tourner le jeu en Epic avec, je ne sais, je dis n'importe quoi, hein, avec un iPhone 8 ou je sais pas il y a combien ils sont déjà, les mecs, mais du coup, dites-moi dans les commentaires si vous jouez au jeu, en quoi vous le faites tourner, avec quel téléphone portable, c'est toujours bon à savoir. Mais en tout cas, il y avait des problèmes d'optimisation sur mobile avec la sortie du jeu, mais c'était, voilà, c'était le démarrage. Wildcard avait lancé, voilà, ce arc sur mobile, donc il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de bugs, il y avait des choses qui déconnaient, et là je trouve que ils écoutent vraiment les joueurs pour le coup, et ils ont commencé à changer pas mal de choses dessus, et ça fait du bien de voir ça, ça fait du bien de voir qu'ils ont pas simplement lancé Ark Mobile et ils ont fait allez salut, on dégage maintenant, on a lancé leur truc, c'est bon, ils sont contents, ils vont jouer, ils vont fermer leur gueule. Non, ils ont vraiment apporté des nouvelles modifications, et la preuve, ils ont apporté aussi la modification majeure ce mois-ci, c'est le fait qu'on puisse désormais mettre le jeu en français. Beaucoup de personnes ne parlent pas forcément anglais, je peux comprendre. Des fois, ça peut être difficile au niveau des crafts et tout. Moi, personnellement, j'ai commencé Ark en anglais, donc c'est pas problématique. Voilà, des jeux comme The Forest, Ark, c'est des jeux que j'ai commencé en anglais. Donc, genre The Forest, je les gardais en anglais, quoi. Ark, par contre, j'avais changé en français, et depuis, je l'ai laissé. Mais ça m'embêterait pas de retourner en anglais dessus. Mais des gens qui sont pas du tout habitués, je peux comprendre. Donc là, c'est vraiment cool, cette nouveauté vraiment majeure qui a été rajoutée au jeu. Il y a pas mal de nouvelles choses aussi en contrepartie. Comme je dis, le cash shop, en fait... Ok, il y en a un, moi personnellement il me gêne pas parce que il n'y a pas d'obligation d'utiliser le cash shop. Il y a certains jeux en fait où à partir de temps t'es bloqué, tu peux plus rien faire. T'es bloqué, t'as l'obligation d'utiliser le cash shop parce que ça déconne. Alors que là en fait t'as aucune obligation du tout, c'est des cosmétiques, effectivement il y a des choses pour t'aider au niveau du timing à ce que je vois, voilà il y a d'autres trucs. Mais
c'est pas des choses pour quelqu'un qui sait jouer, c'est pas du tout des choses dans laquelle vous allez dans lequel vous allez dépenser votre argent quoi, il y aura pas d'intérêt personnellement. Donc voilà, gros coup de cœur pour le coup sur Ark Mobile, ça change totalement les propos que j'avais tenus la première fois puisque c'était le démarrage. Ça m'a permis de redécouvrir le jeu et de vraiment aimer en une heure. Voilà, j'étais à fond dans mon truc et tout, et comme je vous ai dit, pour vous tout est condensé, mais moi j'étais hyper focus dans mon truc et j'ai vraiment adoré, et je vais le garder sur téléphone portable, et je pense que du coup je vais continuer d'y jouer dans mon lit, je vais apporter des améliorations et tout. Je pense que ça peut être assez sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu, mon petit Michel. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner aux réseaux sociaux qui sont listés juste en dessous, à liker la vidéo si elle vous a plu une fois de plus. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir peut-être une nouvelle vidéo, et si vous savez comment monter sur le dodo, ça j'aimerais bien savoir pour le coup. Et pourquoi ne pas faire pour la prochaine vidéo, je sais pas, je teste, on regarde les cosmétiques ou je ne sais pas, on essaye de voir comment monter sur le dodo ou tamer d'autres créatures, voilà, faire plein de choses, bouger aussi de la zone, ça peut être important. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, et n'oublie pas mon petit Michel, ce soir, oui ce soir, je suis en live, à partir de 21h sur Twitch.